Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'hydratation. Que mettre dans ce bidon? Allez, jingle! Alors, que mettre dans ce bidon? Eh bien, on peut mettre beaucoup de choses dans ce bidon. Alors, je veux faire ces vidéos parce que ça fait pas mal de fois que je vois beaucoup de mecs, et bien les mecs ils tournent à l'eau. Il y a l'eau, à l'eau, à l'eau. Je leur dis, mais tu mets quelque chose dans l'eau? Oh, non, non, je mets que de l'eau. Après, je complète en pâte de fruits ou quoi. Non. Non, pourquoi? Parce que quand on fait des sorties, on transpire, hein, donc on perd les sels minéraux, on perd aussi un glucide. Et tout ça, si tu ne le recharges pas, et bien tu vas finir ta sortie, tu vas bâcher, comme on dit. Donc, il y a une chose à savoir pour l'hydratation, c'est qu'il y a aussi une formule au niveau de la température extérieure. Donc moi, quand j'ai commencé, quand il faisait chaud, j'avais tout le temps tendance à rajouter, donc je tourne avec de l'IsoPlus, hein, la marque Aptonia, je mettais une cuillère de plus de boisson dans ma gourde. Mais en fait, je me plantais complètement. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut faire l'inverse, ouais. Donc, au-dessus de 25 degrés, je vais vous donner un apport en glucides qu'il faut mettre dans sa gourde. Donc, au-dessus de 25 degrés, il faut mettre 25 grammes il faut tourner à 25 grammes de glucides. Entre 15 et 25, il faut tourner à 40. Entre 5 et 15, il faut tourner à 60. Et en dessous de 5 degrés, eh bien, c'est 80 mg. Vous avez remarqué? Plus il fait chaud, moins on prend de glucides, et plus on va dans le froid, on prend plus de glucides. Pourquoi? Parce que quand il fait froid, au lieu que notre corps, que nous on pense qu'on travaille au niveau musculaire, les jambes et tout, en fait, allez, on fait rien quoi. Un peu, bien sûr, mais le trois quarts de notre énergie, de notre corps, il part où? Il part dans la tête, dans le cœur, tous les organes vitaux, pour que notre corps reste à 37 degrés. Donc tout le glucide qu'on a en réserve, on a à peu près une réserve de 2 heures, mais tout ça part pas dans les muscles, part cœur, tête, dans tous les membres, sauf les membres que nous on veut, ben, c'est surtout les cannes, quoi. Donc c'est pour ça que l'hiver, il faut pas trop rouler, quoi. Donc vaut mieux faire du home trainer, alors ça c'est entre parenthèses, hein, si on peut le faire. Vaut mieux faire de la qualité sur home trainer, c'est chez soi, tranquille, au chaud, là on travaille la qualité, que de sortir. Faire du fond, rouler pendant 3 heures, se peler les couilles, ça sert à rien parce que musculairement, vous faites pratiquement rien. Vous habituez juste votre corps eh bien, à brûler, à brûler, à brûler du sucre. Non seulement vous pouvez choper eh bien, un rhume ou une grippe, n'importe. Donc, il vaut mieux rester au chaud. Et par contre, l'été, alors moi au début, j'ai fait la connerie. Donc, bien sûr, je vous dis, je vous rajoutais. Mais maintenant, l'été, je prends 2 bidons. Alors, je prends un bidon de 750 ml. Où dedans je mets de la boisson d'effort et un deuxième bidon plus petit, un 500 ml, je rajoute une pastille d'électrolyte, juste ce sont des sels minéraux. Et je tourne avec ça et franchement là, je sors, je peux vous faire une sortie de 4 heures avec 1500, 2 mm nivelé. Je rentre, je suis cramé bien sûr, mais pas de crampes, rien de tout ça. Avant, je prenais juste une boisson d'effort. Et de l'eau, point barre, je rentrais, pété de crampes, je mettais 3 jours à récupérer. J'ai dit putain, soit c'est moi qui fatigué, et à force, c'est vrai qu'à force de ma formation, j'ai appris justement, ah ben tout se gère quoi. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son bidon? Il y a une chose aussi, vous pouvez mettre tout le temps les mêmes valeurs dans votre bidon, même si vous mettez 2 dosettes dans votre bidon, vous pouvez rester à 2 dosettes toute l'année dans le bidon, mais sauf que l'hiver, il faudra plus manger de pâte de fruits ou autre chose, avoir plus un apport en glucides, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la et vous vous abonnez. Allez, ciao ciao!